Retour ici au Stade de Genève après cette victoire du Servette FC qui a mathématiquement promu les jeunes joueurs en Super League. Et défaite d'un côté les Asphans, je suis très bien, j'en continue aujourd'hui. Les mini-matchs compliqués, Servette est très bien rentré dans la rencontre et le territoire hostile, j'en profite, ne vous a pas aidé à prendre le CG. Le début du match, on parle de la rater, surtout au plan mental. Je pense qu'on savait qu'ils vont arriver comme des trains. On n'était pas là, on n'était pas prêt pour défendre plus de profit. À la fin, on est revenu, je pense, après une mi-temps, surtout on a eu les trois pour marquer aussi un but. Là, c'était la meilleure phase, notre meilleure phase du jeu. Deuxième mi-temps, je n'ai pas vu beaucoup de choses de notre part. Ça m'a déçu. Je suis pour ça. J'attendais quelque chose d'autre. Mais la pression à la fin, pour faire bon, pour faire le match important qu'il fallait faire, on était aujourd'hui pas prêt. On va analyser ça parce qu'on a encore trois matchs, on va pas rester maintenant à faire, on va jouer jusqu'au bout et il faut les gagner. On vous sent déçu par ce match, mais on a l'impression que vous êtes assez confiant quand même pour la fin de la saison. Pourtant, ça va quand même être difficile. Maintenant, le ZAN n'a plus son instant entre les mains. C'est pour quelques matchs. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on arrête de jouer au foot. On va pas en vacances, pas du tout. Alors, comme dit, on a vu dans cette semaine, aussi dans cette semaine, que dans le foot, tout c'est possible. Alors, il faut absolument rester dans notre travail. Il ne faut pas lâcher, surtout analyser, être sévère avec eux. Aujourd'hui, on a raté notre opportunité de faire un bon match. Et maintenant, encore reprendre, récupérer et au fond pour les Lions. Dernière chose, il y a beaucoup de pression pour vous et pour les Lions en fin de saison. Personnellement, comment est-ce que vous avez Comme d'habitude, le jour que je choisis ce job, je connais la pression, alors c'est pas une chose qui m'embête ou m'empêche. Je connais ça, je travaille avec ça, c'est pour ça qu'on choisit cette job, sinon on pourrait faire quelque chose d'autre au bureau et on est tranquille, et on a samedi, dimanche congé. Ça c'est pas ça, c'est ça que j'aime. Alors, c'est aussi le challenge de trouver quand maintenant le chemin n'est pas facile, les décisions sont pas les bonnes. De trouver une solution, c'est ça le travail d'un entraîneur, d'être surtout positif, donner confiance, prendre les responsabilités. On a fait des choix ou quelque chose n'est pas bon, mais surtout donner confiance aux joueurs. D'accord, merci beaucoup. Bonne suite de saison. Voilà, Mimo Tiens, je continue après la défaite du Lausanne Sport. Prochaine échéance mercredi prochain du côté du Stade Olympique de la Princesse, et ça sera contre le FC Chafouze. Et bien sûr, on va suivre le match contre Arou, aussi contre Chafouze demain, puisque le LLS, on l'a dit, n'a plus son destin entre les mains. Bonne soirée à tous. Sure.